Bonjour à toutes et tous, mes belles âmes. Je suis ravi de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que vous avez toutes et tous passé un très bon week-end. Alors, on se retrouve en ce début de semaine pour notre tirage journalier, le message du jour. Ce message est général, prenez ce qui résonne pour vous. Allez, on va aller voir un petit peu déjà ce qu'on retrouve à la coupe. Allez, quel est le message du jour ? Pour les personnes qui arrivent, pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent ma chaîne Will Voyance, bienvenue sur ma chaîne Will Voyance sur YouTube. Pour ne pas oublier, vous pouvez cocher la petite cloche sur toute notification pour recevoir les prochaines vidéos, les prochaines clairvoyances que je vous propose. Vous pouvez me retrouver également sur Facebook, TikTok et Instagram pour les personnes qui le souhaitent. Allez, en ce début de semaine, quel est le message du jour ? On va aller voir un petit peu déjà ce qu'on retrouve à la coupe aujourd'hui. Alors, pour aujourd'hui, mes belles âmes, à la coupe, on retrouve un homme et on retrouve des nouvelles. Alors, on peut avoir des nouvelles d'un homme, des nouvelles pour un homme. On va aller voir un petit peu ce qui arrive derrière tout ça. Alors, quel est le message du jour, s'il vous plaît? Quel est le message du jour? Hop! Alors, pour les personnes qui me découvrent, bienvenue à vous. Alors, vous allez voir, je vais mettre ce jeu de couverture en place. Je vais prendre quelques secondes le temps de récupérer les premières informations et vous retransmettre tout cela. Quel est le message du jour? Voilà, le jeu 32 est en place. Je reviens dans quelques secondes, le temps de réceptionner les éléments qui arrivent. Allez. Bon, ici on retrouve quand même quelque chose, un événement qui prend de l'ampleur, quelque chose qui grandit, quelque chose qui va grossir. Ici, qu'est-ce que vous voulez me dire? Quelque chose qui grandit et qui grossit. Alors, on retrouve quoi? La sexualité. Donc il y a quelque chose autour d'une relation sentimentale, quelque chose qui va prendre de l'ampleur, quelque chose qui peut grandir. On verra si c'est positif ou si ce message est un peu négatif. En tous les cas, on nous parle de... d'amour, de sexualité à travers une union, une relation sentimentale. On retrouve quoi? Des conflits et des querelles. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Eh bien, on retrouve pour vous, la consultante, le consultant, à travers une relation, quelqu'un que vous connaissez autour de vous, qui pourrait avoir des complications. C'est-à-dire qu'à travers une union sentimentale, ou dans un mariage, on verra, on nous dit ici, il y a des querelles qui arrivent, disputes, conflits. Regardez bien. Ici. Et on voit que la situation va continuer comme ça. Alors peut-être que déjà c'est compliqué. Depuis un certain temps, vous vous disputez, vous êtes en désaccord avec la personne qui vous entoure. En tous les cas, on retrouve bien des disputes et des querelles. Et on retrouve quelque chose qui va continuer, qui risque d'aller en continuité dans ce sens-là. Alors, ça nuit à votre équilibre. Vous qui me regardez, la consultante, le consultant, mais ça nuit à l'équilibre de votre relation sentimentale à votre amour. Alors, on retrouve un déménagement. Donc on nous dit bien à travers une union, une sentimentale, une relation qui est là, il y a quelque chose qui nuit à l'équilibre, il y a des disputes, des conflits qui arrivent et ça risque de continuer un petit peu comme ça et on va vers un déménagement. Le déménagement de la situation. Alors, on peut avoir aussi un déménagement physique ou géographique dans quelques temps. On va finir ce tour de cartes. En tous les cas, il y a quelque chose qui est en attente. Peut-être que déjà, par rapport à un conflit et des querelles, et puis quelque chose qui ne vous convient plus, vous envisagez peut-être de déménager autour de votre relation sentimentale. C'est en attente. D'accord? On va aller voir un petit peu. On va faire deux tours de cartes ici. Alors... vous voyez, c'est en retard, en attente. En tous les cas, suite à ça, il y a certainement des éléments qui vont continuer à aller vers ce conflit et on risque en retard d'avoir quelque chose vers un déménagement de situation ou un déménagement de cette relation. Qu'est-ce qu'on nous dit également? Ici, on retrouve des soucis.
Hein, on retrouve bien des soucis sur l'événement à travers le couple, donc des petits soucis, mais on peut retrouver aussi la jeunesse. Ça peut correspondre à un de vos enfants. On va aller voir pourquoi on me parle de ça, s'il vous plaît, soucis. Malgré les soucis, on retrouve quand même la chance. Alors, on va aller voir ce qu'on veut nous dire ici. On voit qu'en essence, quand même, malgré ces soucis, et on retrouve la crise. Donc on voit bien deux personnes qui sont opposées. Ben, on nous dit ben, peut-être qu'à travers cette relation, on nous dit attention aussi à la santé. Est-ce que c'est lié à la santé? En tous les cas, cette crise peut amener sur le plan émotionnel, on nous dit attention au plan émotionnel, au stress et autres, à travers cette relation. Parce qu'on voit que la crise peut continuer. On voit que le désaccord sentimental va continuer dans quelques temps. On retrouve quelqu'un qui se sent emprisonné. Alors, soit quelqu'un qui est emprisonné dans sa relation, quelqu'un qui, voilà, ça correspond plus et qui étouffe, ou on nous dit il y a un enfermement à travers la relation sentimentale que vous vivez tout simplement. En tous les cas, ici, on voit bien que l'enfermement est là et que la crise, bah, ça va continuer dans quelques temps. Malgré tout, il y a une satisfaction qui est là peut-être à travers une décision que vous allez entreprendre. Il y a quelque chose qui est en attente. Il y a du retard. Certainement, cette satisfaction sera sur un choix et une décision que vous allez entreprendre à travers votre mariage, à travers votre relation sentimentale. En tous les cas, c'est en lien. On va faire exceptionnellement tiens, un troisième tour de carte. On retrouve des accusations et des reproches dans votre couple, dans votre vie amoureuse. Vous qui faites des reproches ou des accusations à votre partenaire ou partenaire, mais dans le sens inverse, mais en tous les cas, peut-être que je vous ai dit, hein, on voyait des petites contrariétés qui s'installaient, mais dans quelques temps, on va vers des accusations et des reproches. Donc on voit la situation que vous avez un petit peu compliquée va se dégrader, malheureusement, et en retard, il y a un choix à entreprendre. Et ce choix, eh ben, certainement un déménagement de situation qui vous entoure. Vous voyez, on retrouve encore des cartes négatives, contrariété, déplaisir au sein du couple. La prison, c'est l'enfermement, le cloître, l'isolement, la personne qui peut se sentir isolée. Voilà, il y a un désaccord. Vous n'êtes plus sur les mêmes fréquences vibratoires. On nous dit, attention, malgré ça, de vivre sainement. Hein, on avait la santé tout à l'heure, vous voyez, je ressors quand même vivre sainement, donc prenez soin de vous. Pendant cette période, on sait, quand on traverse des moments difficiles, on peut se laisser aller. Attention à vous, attention à votre santé. Alors, et vous voyez, on va vers cette séparation. Voilà, vous projetez, vous êtes en attente, vous n'êtes pas encore, voilà, mais on risque d'aller dans une sur une séparation au courant printemps. Donc sur ce printemps, voire à la fin du printemps, il y a quelque chose qui bouge. On nous dit, ben, il y a cette décision, restez patiente et patient, mais il y a une séparation qui arrive dans quelques temps. Vous voyez, déplacement, ce que je dis, déplacement route, déplacement de la situation vers une séparation et peut-être géographiquement également. Si vous êtes en relation dans le même appartement, il y a des gens aussi, ils sont en relation, voilà, chacun chez soi. Là, on retrouve, voilà, si vous êtes ensemble, dans la même maison, dans le même appartement, ben, il y aura une séparation et on peut nous parler d'une séparation d'appartement, de maison géographique, tout simplement. Voilà, mes belles âmes, sur ce message du jour. On a des accusations et des reproches également sur le couple. Peut-être quelqu'un qui a des petits problèmes d'addiction autour de l'alcool également. Ça peut être ça, les reproches, tout simplement. Ça peut concerner vous, le consultant, la consultante, un fils, un frère, un ami sincère autour de vous. Voilà, mes belles âmes. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si cela vous parle. N'hésitez pas à me retrouver, à retrouver mon site internet Will Voyance sur Google. Vous avez toutes les informations pour me contacter. Je vous souhaitais tout simplement une consultation à titre privé. Je consulte au cabinet au Champ Géraud, à côté de Dinan en Bretagne, mais également en visio sur WhatsApp et au téléphone dans toute la France. Vous pouvez retrouver mon site internet Will Magnétiseur. Je suis thérapeute, magnétiseur énergéticien. Je vous laisse aller voir le site. Je propose énormément de choses. J'accompagne les gens à travers des problèmes physiques, douleurs, traumatismes. Et bien d'autres encore, n'hésitez pas à aller voir ce que je propose. Je consulte au cabinet, mais également je consulte sur photo à distance. Vous pouvez réserver en ligne pour trouver énormément d'informations. Vous retrouvez ma boutique Univers Will Boutique, ma boutique de lithothérapie en ligne. N'hésitez pas à les faire un petit tour dans Google, Will Voyance, Univers Will Boutique et Will Magnétiseur. Je vais vous souhaiter à toutes et tous, mes belles âmes, une très belle journée, une belle soirée. Si vous tombez sur ce message un peu plus tard, je vous dis à demain. Je vous embrasse toutes et toutes. À demain pour le message du jour.